tous. Nous voilà sur l'aire de départ d'un par 3. Nous voyons le drapeau rouge flotter au fond de l'écran. Donc en fait, sur ce départ, on voit 4 couleurs de boules différentes. Il y en a 2 pour les hommes, 2 pour les femmes. Je vais commencer par celles des hommes puisqu'elles sont juste devant nous. Il s'agit des blanches et des jaunes. Les blanches sont pour des hommes confirmés. Des hommes qui sont en général entre 0 et 10 ou 15 de handicap suivant les golfs. Ensuite, nous avons les jaunes qui correspondent à des joueurs qui sont en progression, voire débutants. Ensuite, nous avons les boules femmes, donc les bleues et les rouges. Les bleues servent, comme vous l'imaginez, pour les femmes dont le niveau est confirmé, et les rouges pour des femmes en progression ou débutantes. Il existe aussi des boules noires qui ne sont pas présentes, qui sont pour des joueurs extrêmement confirmés, souvent pour des pros. En fait, il existe différentes boules de couleurs pour permettre à tout le monde de jouer un peu plus équitablement. En effet, un joueur de niveau confirmé ira certainement beaucoup plus loin qu'une femme de niveau confirmé ou qu'une débutante. Donc on permet à tout le monde de pouvoir jouer d'endroits différents sur le départ et de pouvoir avoir un résultat le plus proche possible. Et maintenant, vous savez de quelle boule vous pourrez démarrer quand vous jouerez au golf. Bonne partie ! Alors, prêt à affronter le parcours ?